Voilà, le pharmacien, euh, sur son lieu d'exercice, de, et un, un professionnel de santé qui est disponible, euh, sans rendez-vous, euh, qui, qui va être à l'écoute. Euh, très souvent, il connaît bien sa clientèle, et il connaît les problèmes de santé auxquels les patients sont confrontés, et y compris, parfois, euh, lorsqu'il y a des questions relatives aux, aux addictions. Nombreux patients sont concernés par, ces, par des difficultés avec ces, avec ces substances, donc tabac, alcool, opiacé. Et le savoir reconnaître ces patients-là, savoir limiter les risques qui sont liés, associés à ces, à ces pratiques addictives, c'est un des rôles des pharmaciens. Alors, pas tout seul, évidemment. L'idée aussi, c'est de connaître les réseaux de prise en charge pour pouvoir orienter efficacement les patients vers des professionnels spécialisés dans ce. Dans ce domaine et en devenir ensuite des correspondants privilégiés. On a vraiment pensé qu'il y avait besoin d'une formation pour ça, vraiment spécifique. Il y a besoin d'abord de connaissances, de connaissances scientifiques sur les mécanismes de l'addiction, sur le bon usage des thérapeutiques de substitution, des différents médicaments ou autres techniques qu'on peut, qu peut proposer. Il y a besoin de connaissances sur les réseaux eux-mêmes. Et puis il y a besoin de, de, de savoir l'état de l'art en termes de recherche, d'essais, de, de ce qui marche, de ce qui marche moins bien, de ce qui ne marche pas du tout. Et enfin, il y a besoin également de, de, de connaître la posture à adopter avec les patients qui peuvent être atteints de, de, de troubles addictifs. On peut se retrouver, euh, lorsqu'on n'y est pas préparé, en situation de confrontation avec le patient. En tant que soignant, euh, on peut être à moitié dans le jugement ou des choses comme ça, vous voyez. Euh, et puis, euh, alors qu'en réalité, il faut accompagner le patient. C'est ça qu'on recherche dans cette formation. Quelles sont les méthodes d'accompagnement du patient Donc euh, sans chercher à se confronter avec lui. Par ailleurs, euh, on va travailler également sur les motivations du patient. Pourquoi le patient euh, a recours à telle ou telle pratique addictive euh, Et comment est-ce qu'on peut le comprendre Et mieux comprendre, c'est... Euh, ses, ses motivations, justement, dans la, la dictologie, mais aussi dans sa propre prise en charge. C'est important de connaître les autres acteurs de santé, d'avoir un carnet d'adresse, hein, d'une certaine façon, de connaître les réseaux de prise en charge. Alors, c'est pour cette raison que cette formation se déroule à Nantes. Et euh, elle, est, elle a été conçue et elle sera animée par deux médecins, un psychiatre qui exerce au centre des Apsiades à Nantes, qui est un centre de santé mentale spécialisé, notamment dans la prise en charge. Euh, des addictions. Il y a des médicaments de, donc qu'on appelle les thérapeutiques de substitution aux opiacés qui peuvent être utilisés, la buprénorphine, la méthadone. Il y a des règles pour utiliser ces médicaments-là. Euh, il y a des contre-indications à respecter. Il y a du bon usage. Voilà, comment est-ce qu'on peut bien utiliser ces médicaments-là Et puis il y a la question de l'utilisation des médicaments opiacés en tant quantalgique euh, par eux-mêmes qui se posent. Euh, et cette formation vise aussi à répondre à ces questions-là.